Bonjour à tous, aujourd'hui on est dimanche le 7 avril. Je vais commencer un vlog ce matin, il est à peu près 10h. Arthur il joue dans son carré de sable, mais là il y a un petit tout de neige là, plus loin là-bas. Ok, il apporte de la neige dans le carré de sable, mais bon, c'est ça. C'est une super belle journée ensoleillée, aucun nuage. Il fait pas ultra chaud, mais tu sais, on est vraiment bien parce qu'il n'y a aucun vent et il fait super soleil. Fait que c'est vraiment bien. C'est sûr qu'on va profiter de cette belle journée, cette belle température. Moi, je vais faire du barbecue aujourd'hui. Je vais faire du spa. Guillaume, lui, est en train de défaire le frame de notre abri Tempo. Il a enlevé la toile hier. Puis là, ben, il restait les barreaux à défaire aujourd'hui. Qui est parti faire ça. Qu'est-ce que tu as fait? C'est ça. C'est ça? C'est ça. C'est quoi ça? C'est un bateau? Un bateau. Ça a battu dans l'eau. C'est un bateau pour mettre dans l'eau? Oui. Ah ben. Ouais, puis Arthur est bien content de retrouver son carré de sable. Fait que c'est ça, là, on n'a pas des gros plans pour la journée, mais je vais commencer un vlog parce que je suis contente de cette température. C'est rendu l'heure du dîner. J'ai fait réchauffer mes commandes, un restant de poulet Général Tao de notre souper d'hier. Puis, avec ça comme accompagnement, je vais te des petites nouilles sauce rosée. Puis là, sur la table, il y a des légumes, des fruits. Avec l'Arthur puis Guillaume, je viens juste d'aller leur dire de rentrer. Quand Arthur, cette année, de jouer dans le carré de sable, il est allé rejoindre Guillaume en avant, là, en défaisant l'abri Tempo. Puis là, moi, je suis rentrée préparer le dîner. Finalement, pour souper, j'ai préparé des saucisses cocktail enrobées dans le bacon avec un bouillon miel et ail VH. Ouais. Fait que finalement, pas de barbecue pour ce soir. Ça faisait une couple de jours que j'avais le goût là, de faire des saucisses cocktail. Fait qu'on va manger ça ce soir. Les gars sont dans la douche, ils ont du fun. Rebonjour, on est rendu le lundi matin. Finalement, hier, je n'ai pas bien filmé, mais en tout cas, on a passé une belle journée, on a bien profité du dehors, puis en tout cas, c'est belle fun. Puis hier soir, on a écouté le dernier Big Brother. D'ailleurs, je suis quand même contente du choix du public. J'aurais aimé que ce soit Daniel, mais vu que Joël à partager avec Daniel, puis Daniel, c'est le deuxième, ben, je suis quand même contente, là, tu sais, parce que Joël aussi, je l'aimais, mais j'aurais aimé mieux que ce soit Daniel qui gagne, mais, tu sais, je suis quand même contente de comment est-ce que ça finit. Fait que, ouais, Big Brother, on adore ça, c'est comme la seule série qu'on écoute, tu sais, régulièrement, là, mettons, tu sais, l'hiver prochain, on va sûrement le réécouter aussi. Et puis, sinon, hier matin, c'était le dernier cours de Mini Ninja à Arthur, là. Arthur a fait des cours de ninja de janvier à avril, là, c'était comme un 12 semaines à tous les dimanches matins. C'est comme un parcours moteur, là, fait qu'il fallait qu'il grimpe à des choses. Il y avait des anneaux pour se balancer, des poutres, bref, plein d'affaires. Puis là, hier, vu que c'était le dernier cours, à la fin, ils ont remis des petits certificats aux enfants, là, puis Arthur était tellement fier. Je l'ai filmé, je l'ai mis sur Instagram, mais je vais mettre la vidéo ici pour le garder en souvenir, là, parce que c'était tellement cute. Il était tellement content, là. Fait que, en tout cas, c'était vraiment le fun. Là, on avait comme la possibilité de s'inscrire pour le ninja numéro 2, là, tu sais, pour comme le même cours, mais plus avancé. Sauf que là, on s'est dit, tu sais, il commence à faire beau, puis là, tu sais, l'hiver, on n'a rien à faire, là. L'hiver, on est tout le temps dedans, puis on cherche des affaires à faire. Mais là, tu sais, avec le carré de sable, la table d'eau, le parc, toutes les activités qu'il y a à faire dehors, l'été, la piscine, le spa, il y a tellement d'affaires à faire qu'on s'ennuie pas vraiment. Fait que là, ça va comme nous donner un petit break, mais définitivement, les cours
comme ça la fin de semaine, l'hiver prochain probablement qu'on va en reprendre. On a vraiment aimé ça. Sinon, aujourd'hui, là, c'est jour d'éclipse. Aujourd'hui, à la garderie, il y avait une thématique spéciale éclipse, là, avec journée spéciale en noir. Il fallait que les enfants soient tous habillés en noir. Ils vont fermer les rideaux, ça va être noir dans la garderie. Ils vont avoir des bracelets lumineux, à faire de même, en tout cas. Fait que je pense qu'il va passer une bien belle journée. Là, moi, ce matin, j'écoutais un podcast, puis en me préparant. Puis j'ai vraiment pas de gros plans pour la journée. Je vais faire du pliage de linge à faire et tout ça. Fait que je vais continuer le vlog aujourd'hui. Pliage de linge. Bon, je viens de couper mes poitrines de poulet en lanières. J'ai fait une marinade là parce qu'on va se reprendre ce soir pour le barbecue. J'ai marqué sur Google marinade pour poulet, puis j'ai pris la première qui est sortie, là, c'est une recette de Radio-Canada. Je vais mettre l'image ici dans le coin, le screenshot, là, pour que vous voyez les ingrédients, mais c'est genre au sirop d'érable, sauce soya, gingembre, huile d'olive. Là, je sais qu'il y a vraiment beaucoup trop de marinade. J'avais juste 4 poitrines de poulet. Ben juste 4 poitrines de poulet, c'est beaucoup, là, mais je veux dire, avoir su, j'aurais fait la moitié de la recette de marinade. Fait que si jamais que vous la faites, faites-la de moitié. En fin de semaine, j'ai publié un reel sur Instagram que je montrais brièvement notre nouveau système de récompense au moyen de diamants bleus. Puis là, je me suis dit que j'allais vous en parler plus en détail. Dans le fond, c'est un truc que je prends de mon amie Jess, qui elle est éducatrice spécialisée. Puis ça fait des années qu'elle fait ça avec ses enfants. C'est sûr que ses enfants sont plus vieux, fait que la méthode qu'elle fait est évoluée. Là, je veux dire, moi, je vais y aller avec la base avec Arthur. Là. Fait que la base, dans le fond, c'est que quand notre enfant... On veut le motiver à faire une bonne action, mais que des affaires qui sont pas acquises. Là. Je vais donner un exemple. Ben là, nous, c'est faire le ménage du salon, là, parce que ça y arrive tout le temps de tout vider ses jouets partout à terre dans le salon. La personne, il dit, ben Arthur, il faut que tu ramasses. Puis, non. Lui, il a zéro motivation à ramasser le salon. Fait que là, ça, c'est pas acquis pour lui de ramasser le salon. Fait que là, quand il ramasse le salon, ça lui donne un diamant bleu. C'est sûr qu'au fil du temps, les diamants bleus vont venir pour d'autres raisons. Là. Comme, ben là, à date, on y en a donné aussi quand il a fait des cacas sur la toilette, parce que pour lui, les pipis, ça va bien, mais les cacas, il y avait plus de misère. Mais là, on m'y en donne aussi maintenant pour, c'est ça, pour les cacas sur la toilette. Mais bref, c'est sûr que tu ne donnes pas des diamants bleus pour toutes, là, parce qu'à un moment donné, il va en avoir pour des affaires qui sont déjà acquis. Tu sais, si il brosse déjà bien ses dents, sans, tu sais... Tu donnes pas des diamants bleus pour ça. Bref, on donne des diamants bleus pour des choses qui ne sont pas acquises puis qu'on veut qu'il y ait plus de motivation puis que ça lui vienne plus facilement de le faire. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, nous, comment ça fonctionne jusqu'à maintenant, c'est que faut qu'il accumule 3 diamants bleus puis quand il y en a 3, là, il a le droit de se choisir une surprise dans une boîte à surprise qu'on a. Là, présentement, j'ai mis des figurines de Marvel puis des petites voitures. Mais... c'est pas obligé d'être des biens matériels, là. C'est comme mon amie Jess, elle, c'est ça, ses enfants sont plus vieux, fait qu'elle, ça fonctionne avec des jetons, puis dans le magasin, elle a des articles de plusieurs valeurs différentes. Exemple, il peut avoir, pour 5 jetons, ben, ils vont faire une soirée cinéma, puis c'est cet enfant-là qui choisit le film. Sinon, pour 10 jetons, mais là, il va y avoir un toutou de Mario. Sinon, pour 20 jetons, il va avoir un Lego, tu sais. Elle, il y a vraiment des valeurs, parce que les enfants sont capables de comprendre la valeur des choses, là. Nous, Arthur, on pourra pas vraiment mettre des affaires de valeurs différentes, mais tu sais, à date, étant donné que c'est quand même rapide de ramasser 3 jetons, ben, c'est sûr qu'on mettra pas des grosses affaires, là, dans la boîte à surprise, on met des petites affaires, comme les affaires de figurines de Marvel que j'avais. C'était une grosse boîte qui avait, je sais pas, moi, une dizaine de figurines dedans, mais j'ai défait la boîte, puis... J'ai mis toutes les figurines pour que ce soit une surprise à la fois, là, tu sais. Mais c'est ça. C'est sûr qu'on va adapter avec le temps, puis on va voir qu'est-ce qui fonctionne bien, là. Mais sinon, elle, qu'est-ce qu'elle a aussi dans son magasin général? Elle a dit... Ah, elle a mis une sortie à la crémière. Je vais aller prendre un grand de crème glacée. Elle dit, tu sais, elle dit, c'est des affaires qu'on ferait de toute façon, sauf que là, c'est les enfants qui peuvent décider, ah, je vais utiliser mes jetons pour qu'on aille à la crémière. Fait que, comme ça, ben, ça les apprend aussi que, tu sais, faut faire des bonnes actions pour avoir des récompenses, puis ça leur apprend la valeur des choses, puis bon. Fait que,
On essaye ça. Je sais pas, nous, si ça va bien fonctionner à long terme. Mais à date, ça fonctionne super bien. En fait, la première journée qu'on l'a fait, t'sais, avant qu'ils comprennent que les jetons apportaient une surprise, t'sais, ils ne savaient pas, mais juste le fait d'avoir un diamant bleu, ils étaient super contents. T'sais, quand il a dit, si tu ramasses tous tes jouets dans le salon, tu vas avoir un diamant bleu, puis ils étaient super contents. Fait que là, juste le diamant bleu, ils étaient super excités. Mais là, après ça, dans le journal, il a fait faire d'autres affaires, genre ramasser sa chambre, tous les toutous qui traînaient, tout ça. Puis quand il a compris qu'il pouvait échanger ses diamants bleus pour avoir une surprise, là, la motivation, là, est rendue, vraiment, vraiment plus haute. En tout cas, pour nous, c'est une nouvelle technique. C'est des petits diamants bleus que j'avais pris au Dollarama. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je suis bien contente. À date, ça va bien. Il fait encore vraiment beau, vraiment chaud aujourd'hui. Fait que avant dîner, je me suis dit que j'allais venir faire un petit tour dans le spa. Puis de toute façon, après-midi, je vais rester en dedans. Moi, je suis pas équipée pour regarder l'éclipse. Alors, je le verrai par photo et vidéo sur les internets, mais moi, je me suis pas équipée pour ça. Alors, bonjour. Il est rendu 3h23. L'éclipse, dans 5 minutes, ben, en fait, la plus grosse partie de caché. Là. Ici, à Trois-Rivières, c'est pas 100% dans le noir, là, c'est 98% caché. Fait qu'en tout, c'est dans 5 minutes. Puis, bon, on le voit pas vraiment, ça a l'air encore super clair dehors, mais visuellement, moi, je le vois que c'est vraiment plus sombre. Puis comme depuis le début, ben en fait depuis une couple de jours que ça en parle, ça m'a jamais vraiment intéressé. Mais là, plus que ça s'approche, je fais comme « Ah, finalement c'est intéressant, mais là j'ai pas les lunettes pour. » Fait que, puis j'ai checké sur internet, puis ça a l'air que ça peut endommager les caméras de iPhone là, ou de cellulaire, là, parce que c'est vraiment pas bon pour l'objectif de filmer ça. Mais moi sur mon iPad, la caméra, mettons, je m'en sers absolument jamais. Fait que si elle est endommagée, ça me dérangerait pas pantoute. Fait que là, j'ai mis mon iPad dehors tout à l'heure, puis j'ai parti ça sur la vidéo. Fait que on va voir le résultat que ça va donner, si ça va être un flop ou si ça va avoir marché, en tout cas. Ouais, j'ai écouté un film sur Amazon Prime, ça s'appelle Musica. C'est Rudy, le gars qui fait le film, là, Rudy Mansuko. Lui, je le suis sur Instagram depuis longtemps, là, puis il est vraiment impressionnant, il est vraiment spécial, là, tu sais. C'est un gars qui joue de la musique, mais comme avec n'importe quoi, tu sais. Genre, il va prendre des objets de même, puis il va faire des sons, puis il fait de la musique, puis... Puis comme fait un film inspiré de sa vie, mais vraiment comme... avec de la musique dedans, puis c'est bien bon. Là, il me reste après une demi-heure à écouter, là, je vais attendre de voir l'éclipse. Je le verrai pas, je vais juste voir le sombre dehors. Puis, mettons, une dizaine de minutes après... Là, je vais aller arrêter mon vidéo. Fait qu'on va voir le cacher, puis après ça, revenir au soleil. Que c'est ça. Sinon, aujourd'hui, j'ai fait un autre lavage, séchage, pliage de linge, écouter des podcasts. C'est comme une journée tranquille, mais des tâches ici et là, tu sais, pareil. Bon, hey, là, c'est vrai. C'est dans 3 minutes, là, puis là... Bon, à la caméra, ça a l'air... Exactement comme tout à l'heure. Bon, ben, en tout cas, je vous reviens tout à l'heure avec le résultat de mon petit vidéo. Bon, fait que je vous ai mis... le résultat de ma petite vidéo. C'est sûr qu'on voit vraiment pas bien, là, tu sais, ça a juste l'air d'une grosse boule de feu. C'est une caméra de iPad, hein, fait que c'est pas calibré comme pour voir ça pantoute, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça que ça donne. Sur ce, moi, je vais aller commencer à cuisiner, fait que pendant que c'est à cuire pis tout, je vais pouvoir faire le montage du vlog puis le mettre en ligne. Puis après ça, je vais aller chercher Arthur et tout, fait que ça va être tout pour mon petit vlog d'hier et d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!